Bonjour les enfants, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer à un jeu de stratégie. Ce jeu de stratégie s'appelle les quatre maisons. D'accord? Alors pour jouer à ce jeu de stratégie, vous avez besoin, ça se joue à deux déjà. Donc je joue avec Yann, vous jouerez avec vos parents, votre grand frère, sœur, voilà. Vous avez besoin de, je vais vous montrer, voilà, vous avez besoin d'une feuille où vous avez dessiné quatre maisons. Une maison bleue, une maison verte, une maison rouge et une maison noire. Elles ont quatre étages. Le rez-de-chaussée, premier étage, deuxième étage, troisième étage. D'accord? Donc, je donne une feuille de maison à Yann et moi, j'ai ma feuille. OK? Pour jouer, on a besoin de jetons. On va utiliser la grenouille. Ça, c'est pour Yann. Moi, j'ai fait le dessin de la grenouille. Le hibou. Moi, j'ai le dessin du hibou. Le loup. Moi, j'ai le dessin du loup. Et la petite taupe. Et moi, j'ai fait le dessin de la petite taupe. Vous avez vu, j'ai mis un paravent. Je ne peux pas voir les maisons qui sont de l'autre côté. Moi, je suis là et je ne triche pas. Je ne peux pas voir. Donc, Yann, il va poser ses quatre animaux dans les maisons. Et moi, je vais lui poser des questions pour savoir où il a mis ses animaux dans ses maisons. Il ne peut me répondre que par oui ou par non. Je prends mes petites images pour me souvenir de ce que j'ai posé comme question et de ce qu'il m'a répondu. J'ai aussi fait des petits papiers blancs pour me souvenir de l'étage où il n'y a pas d'animaux. Alors, Yann, tu es prêt? OK. Alors, est-ce que la grenouille se trouve dans la maison rouge? Non. Non, la grenouille ne se trouve pas dans la maison rouge. OK. Alors, la grenouille se trouve-t-elle dans la maison verte? Non, la grenouille n'est pas dans la maison verte. Ah ah. Alors, as-tu un animal dans la maison bleue? Oui. Oui, j'ai un animal dans la maison bleue. OK, donc il y a un animal dans la maison bleue. As-tu un animal dans la maison noire? Oui, j'ai un animal dans la maison noire. OK. As-tu un animal dans la maison rouge? Non, je n'ai pas d'animaux. Ah ah, très bonne question. Donc, il n'y a pas d'animaux dans la maison rouge. Donc, je sais bien, j'ai posé une question et j'ai déjà quatre réponses. Très bien. As-tu mis un animal dans la maison verte? Oui. Ah ah, il y a un animal dans la maison verte. OK. Alors, la grenouille n'est pas dans la maison verte. La grenouille est-elle... la chambre de la grenouille se trouve-t-elle au premier étage? Oui. De la maison bleue? Oui. Wouhou! Donc je mets ma grenouille au premier étage de la maison bleue. Le hibou est-il au deuxième étage d'une de ces maisons? Le hibou est-il au deuxième étage d'une de ces maisons? Oui. Oui. Non, 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 non. Non. Y a-t-il un animal au deuxième étage? Oui. Est-ce que le loup se trouve au deuxième étage de la maison bleue? Non. De la maison verte? Oui. Wouhou! Voilà mon loup. La taupe est-elle... y a-t-il un animal au troisième étage de la maison, d'une de tes maisons? Oui. La taupe est-elle au troisième étage de la maison bleue? Non. De la maison verte?
Non. De la maison noire. La taupe. La taupe. Non. Troisième étage de la maison noire. Alors, c'est le hibou qui est au troisième étage de la maison noire. Oui. Ouhou. Attends, là, je suis obligé de l'échanger parce, oui, que, oui, bah, me, parce que je me suis trompé tout à l'heure. Ah oui, oui, d'accord. Ok, alors, la taupe, la taupe, la taupe. Est-ce que la taupe est au rez-de-chaussée? Non. Au premier étage? Oui. De la maison? Alors, j'ai le choix entre vert et noir, donc je vais dire vert. Non. Alors, elle est au premier étage de la maison noire? Oui. Wouhou! Alors là, maintenant, on compare, on enlève notre paravent, on compare nos deux images, nos deux maisons. Bon, voilà. Alors, est-ce que j'ai bien la grenouille là? Oui. Est-ce que j'ai bien le loup là? Mon loup, il est au troisième étage, au deuxième étage. Là, j'ai personne, j'ai mis des petits papiers blancs. Ici, j'ai la taupe et là, j'ai le hibou. Ah ah ah! À vous de jouer! Bon amusement!